Exactement. Et ne me blâmez pas. Je dois absolument vous parler de Travis Kelce et Taylor Swift, bien sûr. Mais pas, ça doit être un titre de chanson de Taylor Swift, ça. Peut-être. ça a commencé... Je vais vous faire un peu la genèse, en fait, de comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Ça a commencé au mois d'août. Travis Kelce qui est allé de sa première approche. If you're up on Taylor Swift concerts, there are friendship bracelets, and I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now. Your number's in 87 or your phone number? You know which one. She doesn't meet anybody, or at least she didn't want to meet me, so I took it personal. Bon. OK. Alors, c'est triste, cette première portion de l'histoire. On était cruel pour Travis Kelce. Mais finalement, ça s'est transformé en automne de rêve parce que la chanteuse a finalement répondu donc à ses avances, des rumeurs qui ont commencé à circuler. Et lorsqu'on fréquente, entre guillemets, la chanteuse la plus populaire du monde, bien, l'enjeu est grand. Là. Surtout que Travis, surtout lorsqu'il était au collège, avait mauvaise réputation. Là. Donc, le monde du sport était aux aguets. You hold the f***ing door open, Travis. Yep. Exactly. Okay? Everywhere. Every single place you go to, you make sure you chew with your mouth closed. Yep. Yeah. Okay? Yes. We're talking about talking to the parents every single time. You see them, everything. You need to be a knight in shining armor. You represent all football. Yeah. Okay, Trev? I need you here. We appreciate you, buddy. You're the right man for the job. Ah, voilà. Quelle pression! Ouais, c'est ça, voilà. Quand même. Pat McAfee, quand même, avec la pression. Je vous amène tout de suite dimanche avant le match parce que, bon, vous savez maintenant qui était dans une loge. Mais je veux vous montrer la réaction de certains joueurs des Chiefs là, avant la rencontre lorsqu'ils ont aperçu Taylor Swift dans sa loge. Regardez, là. Avec Mahomes. Bonjour, allô. Ah. Et là les, évidemment, sur les lignes de côté, les entraîneurs, les joueurs, qui est-ce? Oh, ben oui, c'est bien elle. Elle était voilà. avec maman, Kelce. Elle était avec maman, Kelce. J'adore le petit sourire en coin de Travis Kelce qui dit. Elle est quand même assez fière de son coup, là, quand même. Pour faire une longue histoire courte, là, bref, tout le monde était pas mal impressionné. Donc, tu l'as dit, dans une loge avec maman, Kelce. On l'a montré énormément dans le reportage qui était à Fox. Bien sûr, c'est le karma ou la rançon de la gloire. Là. Puis quand on veut garder une idylle secrète, on va pas un match de football, bien sûr. Travis Kelce a marqué un toucher. On va vous le montrer. Oui. Un beau toucher, quand même. Et... la réaction, là, quand même, dans la loge de Taylor Swift, on a le goût de lui dire « Tu dois te calmer, Taylor. » Mais quand même, imaginez lundi, le gars à sa gauche là, qui dit « Qu'est-ce que t'as fait en 20 semaines à la machine à café? » Oh, un petit chest pump avec Taylor Swift au match des Chiefs, quand même. Donc, toute une réaction là, pour Taylor Swift. Victoire des Chiefs de 41 à 10. Après le match, vous allez le voir immédiatement, les amoureux là, qui ont été aperçus ensemble. Bon, peut-être amoureux, c'est peut-être un peu fort. Là, on commence à... Ce sont des amoureux. Quelque chose. Regardez le style de Travis Kelce, quand même. Un beau cardigan. Là. Mais ça, c'est pas anodin. Là. Motif qui s'appelle « Chambre à coucher 1989 ». 1989, Yannick, pour l'album de Taylor Swift, 1989. Elle ressort sa version... ce vendredi, donc on lui fait une petite pub quand même du côté de Travis Kelce. Et je veux vous passer l'extrait de Bill Belichick quand même. On n'aura pas le temps. Il a dit, Travis Kelce a de très gros catchs dans sa carrière, mais c'est clairement son plus gros. Ouais, ça, c'était comme... Ouais, c'était pas d'accord avec son commentaire. Ça fait mon oncle un peu. Ça fait très, très mon oncle. Ouais, un peu.